Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulomaik et dans cette vidéo, je vais vous parler du tournoi qu'on organise avec 4-1. Alors dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que le tournoi se passerait vendredi à 16h, mais la date a changé tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé de changer. J'ai même fait un sondage dans l'espace communautaire de ma chaîne et en fait il y a 80% qui voulaient qu'on change de date. Alors la date maintenant, très important, retenez-la, c'est samedi 3 octobre à 16h. Donc tous ceux qui sont inscrits, soyez disponibles à cette heure-là. Samedi 3 octobre, 16h, ok? Alors je vous fais cette vidéo aussi pour vous dire la date, la nouvelle date, et très important pour vous rappeler qu'il faut que vous vous inscrivez pour rejoindre le tournoi, parce qu'en fait on n'a vraiment pas beaucoup d'inscriptions apparemment. 4-1 me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, donc je vais vous renvoyer une invitation dans le Discord. Donc je vous mettrai un lien pour rejoindre le Discord, je le mettrai en commentaire et en description de cette vidéo. Il vous faut absolument un Discord pour pouvoir rentrer dans le Discord, ok? Donc créez-vous un Discord, ensuite vous cliquez sur le lien et là vous allez arriver dans ce salon, enfin dans ce truc là, et ici vous aurez des salons. Donc n'allez pas dans le salon inscription, je sais pas pourquoi. Pour les inscriptions ça se passe ici, voilà, vous cliquez sur le pseudo de 4-1, mais le problème c'est qu'on voit tous les gens qui rejoignent. Donc plus rapidement, ce que vous faites c'est que vous allez dans l'onglet points ou récompense tournoi, enfin voilà, vous choisissez par exemple le salon points. Et là, vous cliquez sur 4-1. Et à ce moment-là, pour vous inscrire, il faut que vous lui envoyez un message. Vous lui envoyez « Bonjour 4-1, mon nom de groupe, mon nom de team, c'est, je sais pas moi, la, je sais pas, les Bracos, voilà. Les Bracos, vous appelez les Bracos. Et dans la team, donc, dans la team, il y aura moi, enfin, donc moi, mon pseudo, donc c'est Sorkulomaik. Il y aura... Soit cool mec et le pseudo de votre coéquipier par exemple 4-1. Donc vous mettez mon coéquipier ou mon pote, mon coéquipier c'est 4-1. C'est comme ça que vous vous inscrivez, ok? 4-1. C'est comme ça que vous vous inscrivez. Il faut vraiment bien mettre le nom de votre team, le nom de votre de vos deux pseudos. Donc Epic Game, hein, ce serait mieux qu'on aille vos pseudo Epic Game. Parce que sinon, on va pas s'y retrouver si vous nous donnez un pseudo. Et puis après qu'on regarde dans les captures d'écran ou dans les points que c'est un autre pseudo. Donc voilà, ça va pas être optimal. Ça va être un peu brouillon. Donc essayez de bien donner votre Epic Game, ce serait beaucoup mieux. Ensuite, vous vous inscrivez comme ça. Et là, dans général, quand vous allez mettre un message, par exemple ici, regardez, ICP White, il est en jaune. Ça veut dire qu'il a le rôle. Ça veut dire que lui, hop, vous cliquez même sur son pseudo, on peut voir qu'il est en OK. Donc ça veut dire que lui, il est inscrit. Ici, MR5, il n'a pas de rôle. Il n'a pas le rôle OK. Donc quand votre pseudo est en jaune et que vous avez le rôle OK, ça veut dire que vous êtes inscrit. Par contre, pour les inscriptions, quand vous envoyez un message à 4-1, n'envoyez pas un message à 2. Par exemple, si moi je veux m'inscrire, je vais envoyer un message à 4-1. Salut, je m'appelle Sorkul. Mon autre team c'est Tchak Tchak. Mon pote c'est Tchak Tchak, ok. Mais mon pote c'est 4-1 par exemple. Mais 4-1 il va pas revenir sur le Discord, envoyer un message. Ouais, salut, j'aimerais bien m'inscrire. Mon autre team c'est le même que celui que je viens de dire. Et mon pote c'est Sorkul. Non, ça va pas. Il faut que un de vous deux écrive à 4-1. Il faut pas que vous soyez à deux à écrire. Et attendez et soyez patient. Qu'il réponde, parce que je pense qu'il reprend les inscriptions ce soir. Et donc s'il ne répond pas tout de suite, ne le spammez pas, ok? C'est très important. Ah, je vous refais principalement cette vidéo principalement pour la date qui est très important et pour que vous vous inscrivez si ce n'est pas encore déjà fait, ok? Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le lien des inscriptions seront en description du Discord. Et je vous souhaite à tous une bonne chance. Je vous donne rendez-vous samedi 2 octobre, j'espère que... 3 octobre, excusez-moi. Ouais, c'est ça, c'est samedi 3 octobre. Donc j'espère que ce tournoi vous fera plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne chance pour le tournoi. Que le meilleur gagne. Et j'espère que cette vidéo d'information aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sorkulomaik et ciao. Peace.
bruh. Y'all make bruh.